monde, et c'est en ce beau soleil, ce beau temps du mois de juillet ou janvier, que nous allons visiter une très jolie maison, à la Queue-en-Brie, avec Marine et avec Laetitia. C'est parti. C'est parti. Donc bienvenue à tous, on est en direct pour aller visiter donc une toute nouvelle affaire, une jolie maison à Queue-en-Brie à 326 000 euros. 326 000 euros, une petite maison dans le quartier des Marnières. Une petite maison, c'est pas vraiment une petite maison. Elle fait 105 mètres carrés habitables, elle fait 370 mètres carrés de terrain. Donc on va aller voir ça. Bon, le temps ne le permet pas, on a vu, on rentre dans la Queue-en-Brie, là, ça y est. Et donc nous allons arriver tout de suite au quartier des Marnières. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la ville de la Queue-en-Brie, c'est la ville qui touche le Plessis-Trévise. Elle touche le Plessis-Trévise justement par cette route-là. Elle est vraiment à côté et elle permet vraiment de trouver des maisons pas très chères. On sait que la ville du Plessis-Trévise, c'est relativement compliqué maintenant de trouver des maisons à porter, on va dire. Là ici, on a des chouettes maisons. On a des chouettes maisons entre 250 000, 280 000, 330 000, 350 000. Enfin voilà, on trouve de tout. Ici, on est dans le quartier des Marnières. Et donc, on va arriver dans une minute. Hein. On arrive dans une minute. Vous allez voir, 370 mètres carrés de terrain et 105 mètres habitables. Donc voilà. Alors, il y a des travaux dedans, ne soyez pas étonnés. On va visiter ensemble. Il y a des travaux, évidemment, hein, mais ça reste quand même des bons matériaux, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est de la déco, c'est essentiellement de la déco. Voilà. Tac. Voilà, nous arrivons tout de suite. Nous arrivons tout de suite, voilà, on est bientôt arrivé. Bonjour à tous. Alors, je vois qu'il y a des amis qui nous regardent. Il y a Mister Joss qui a fait la plus belle photo des tatoués. C'est Mister Joss que j'aimerais bien connaître quand même parce qu'il m'a bien fait rire. Et donc c'était bien cool. Et bonjour à Mister Joss et bonjour à tout le monde. Parce que ça y est, on arrive dans notre petite affaire. La petite affaire. Toc. Bon, tu peux commencer à te garer si tu trouves une place. Voilà. Et voilà. Va là-bas. Moi, je vais te dire. Vas-y, encore. Tu peux me mettre là ? Oui. Ah, c'est ça. Voilà, c'est parfait ici. C'est très bien ici. Voilà, bonjour Gladys. Donc là... Ah, il fait froid, hein. Ça par contre il fait froid, il fait pas beau, ce qui vous permettra d'évaluer la maison qu'on va aller voir sous sa moins bonne forme. La maison est exposée sud, mais ça j'aurai l'occasion de le redire. Voilà, on laisse le temps à tout le monde d'arriver. Nous on est arrivé et puis on va aller voir la maison. C'est parti. Oh merde, j'ai la sécurité en forme. Voilà, la maison elle est là. La maison, elle est là. Donc, elle est mitoyenne d'un côté. Et elle donne l'opportunité d'avoir un terrain de 370 mètres carrés habitable. Enfin, habitable de terrain, pardon. Et 105 mètres carrés habitable. T'as les clés? Tu peux essayer d'ouvrir? Oui, c'est là. Alors, c'est parti. Passe-partout, combien de clés? Non, on n'a pas oublié les clés, Mister Joss, mais on a failli. Je te cache pas qu'on a failli. On a fait demi-tour. Là, ça a fait beaucoup, là. On n'avait pas le droit à l'erreur. Maintenant, on va essayer d'ouvrir la porte. Ah ouais, c'est un peu... C'est dans celle-ci. Ah, il n'y a pas de raison. Tiens. Hop là. Ici de clé. On blague pas. Ouais, c'est normal, c'est pas la bonne. J'ai essayé celle-ci aussi. Si, j'ai essayé, tu vas voir. Faut juste prendre le coup de main. Je te dis que c'est galère.
Opération clé. Marine, un petit mot. Là, je pense qu'on peut rester bloqué à tout moment. Et c'est pas grave, il fait bon. Il fait bon. Tu veux peut-être pas autant la penser ici. À 3, je pense qu'on va y arriver. Au pire, on peut. Et là ? Deuxième tentative. Bon, alors ça, c'est vraiment, ça arrive très souvent. Ce genre de choses. Ah. Voilà. Ah, c'était pour le crâne. Voilà. Bon, ça arrive très souvent. Hein. J'ai oublié, je pense qu'on se reconnaît. Tout à l'heure, on se reconnaît dans cette situation. Voilà. Ok, on va rentrer. Deuxième porte. Ça va s'ouvrir. Ah bah attends, c'est... elle est peut-être encore compliquée celle-ci. On a celle-ci. Celle-ci, ça doit être la petite. Ok. C'est bon. Vas-y, ouvre. Non. Et on va voir si celle-ci, ça rentre. Voilà. Hop, allez. Allez, c'est parti. On est en direct. Donc, cette maison avec travaux, hein, je vous l'ai dit, hein, avec travaux de rafraîchissement. Mais vous allez voir qu'il y a que c'est top qualité. Je parle notamment du parquet. Donc, allez, je vous fais confiance, vous ouvrez tout. On ouvre tout, les filles. Voilà. Alors, c'est une maison qui a 5 chambres. C'est une maison qui a 5 chambres. Il y en a 2 niveaux rez-de-chaussée. Et il y en a 3 au deuxième étage. Voilà. Donc, je passe. Oh, pardon, excusez-moi pour la caméra. Tac. Ok, on va ouvrir ici. Vas-y, je t'en prie. Donc, je vous montre. Ici, c'est... Alors ici, c'est considéré, voilà, je vais la refaire pour que vous compreniez bien comment c'est fait. Ici, vous avez l'entrée. Ici, il y a l'entrée. Il y a les escaliers. Donc, on ira voir après. Et ici, donc, c'est sous-sol aménagé avec une chambre ici. Donc, voilà, c'est le parquet, il faut le vitrifier. Le parquet, c'est le parquet de Noël, il faut le vitrifier. Le papier peint à refaire, mais enfin voilà, il y a des gens qui arrivent à aménager une chambre, d'autres qui veulent utiliser plus de choses, voilà. Donc le papier peint, bah ça vaut de l'argent, hein. Genre de papier peint, vous pouvez le retravailler, effectivement, ça c'est très recherché aujourd'hui, très tendance, avec un lavabo aussi dernier cri. On et a les toilettes, tout ça, bah voilà, pour vous dire que vous avez le panto, le compteur, il y a tout. Ici. La partie cave et accès jardin, voilà. Et là, on va accéder au jardin directement. Voilà, donc là, c'est la deuxième chambre. Et là, qui accède au jardin. Donc là, c'est super agréable. Donc, on a une varangue, une espèce de varangue ici. Et le jardin. Il est super, le jardin. Ouais. Oui, alors on va aller voir le petit portillon. Ça donne sur la pile un petit espace vert ici. Voilà, tac. Ouais, super sympa. Donc, bah voilà, hein, vous avez jusqu'ici hein, le terrain. Le terrain, c'est même là. Il est très, 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 très grand. Donc c'est 326 000 euros pour une maison comme celle-ci, je le redis. 326 000 euros, je l'ai mis en description. 370 mètres de terrain. Cet endroit, bah, il est super cool parce que voilà, pour manger dehors, enfin voilà, il y a une terrasse qui est très très grande. Et puis on va continuer à visiter le reste de la maison. C'est parti, on va monter. Hop. Allez, on monte.
On suit Laetitia. La cuisine ici. Voilà, toujours avec un papier peint qui fait plaisir. Qui fait envie. Par contre, on note le double vitrage. Ouais. Volet roulant, ici à l'extérieur, voilà, ce manuel. Volet roulant. Il fait pas beau, hein, mais vous vous rendez compte qu'on a une belle vue. Ça doit être direct sur le jardin. Et tout ça, c'est exposé sud, bien sûr, j'ai oublié de le préciser. Tout ça, c'est exposé sud. Voilà pour celle-ci. La cuisine. Le séjour, toujours avec un parquet de Noël. Donc, le parquet de Noël qui mérite d'être vitrifié. Aussi, le petit plus, c'est que ce que vous voyez à l'intérieur, ça reste. Hein. Donc, les canapés et le piano, c'est cadeau. Voilà. Tu sais en faire ? Il fonctionne. Ouais, je sais en faire. Vas-y. C'est terrible, il est pas du tout. Vas-y, essaye un truc. Alors, le piano, il reste dans la maison. Le piano reste dans la maison. Marie, j'ai besoin de ton aide. Faut tenir. Bon, il est pas accordé. Il est pas accordé. C'est un truc connu. Vas-y. Ouais. Ça me dit quelque chose, mec. Ouais, c'est pas accordé. Non, Intouchable, ok. Ok, donc c'était intouchable. Voilà, donc double séjour ici. Et je vous ai dit tout à l'heure, on a vu 5 chambres, on en a déjà vu 2. Et on va aller là-haut où le coin nuit est vraiment plus sympa. Voilà, le coin nuit il est très sympa. Vous allez voir. Alors, toujours le petit papier peint à chaque fois qui fait plaisir. Parce que ça vaut de l'argent maintenant. Et voilà, et donc voyez le parquet, c'est un beau parquet qui mérite d'être vitrifié. Et donc, on a toujours des petits papiers peints sympas, mais jusqu'au plafond, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Mais tout est double vitrage. Et ici, vous avez 3 chambres. Voilà. Ici, vous avez 3 chambres. La salle de bain, elle est cool. La salle de bain. Ouais. La salle de bain, elle est cool. Voilà. Tac. Toc. Une quatrième chambre ici. Et une cinquième chambre ici. Voilà. Ouais, elle est grande celle-ci. Ouais. Voilà, donc nous, on voulait vous montrer cette maison parce que dans le Val-de-Marne, des maisons avec 5 chambres, double séjour, donc un 7 pièces à 326 000 euros. Bah, c'est rare, voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous la montrer. Il y a effectivement des travaux, on va pas se cacher, mais 360 mètres de terrain, 365 même, 5 chambres, double séjour, exposition sud, vraiment, hein, l'expo elle est vraiment sud, je vais vous la montrer, l'expo d'ailleurs, pour que vous compreniez bien. C'est qu'en fait, voilà, ici le soleil il se lève et il se couche là. Donc vous avez vraiment l'exposition sud, j'ai vérifié hier. Donc à 326 000 euros, franchement, ça mérite un petit peu de boulot, mais vous pouvez obtenir quelque chose de pas mal, et surtout qui pourra se revendre un peu plus cher, c'est clair. Parce qu'elle est hyper spacieuse. Voilà. Donc c'est top, les chambres elles sont grandes. On redescend pour le sous-sol, je vous laisse tout fermer les filles. On redescend pour le sous-sol, puis on va dire au revoir à nos internautes qui nous suivent. Maison 7 pièces, c'est bien ça ? Donc maison 7 pièces. 365 mètres habitables, enfin de terrain, 105 mètres carrés habitables, voilà, avec du boulot,
des toilettes à ce niveau-là et en bas. En haut, je ne sais pas s'il y avait des toilettes, par contre. Bon. Je crois pas qu'il y ait des toilettes là-haut. Non. Non, il n'y a pas de toilettes, c'est juste salle de bain. Ouais, ok. On ferme tout. On ferme tout. Et donc, voilà. Bon, bah, les filles, on dit au revoir à tout le monde. Oh, voilà. Je répète, pour cette maison, 326 000 euros, 365 mètres de terrain, 105 mètres carrés habitables, exposition sud. Avec beaucoup de potentiel. Hein. À la queue en brie et effectivement un potentiel de dingue, parce que bah, 5 chambres, quoi. On peut transformer ça comme on veut. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.